Wesh les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo 24 heures dans notre vie d'interne au lycée. Comme vous le savez, on est au lycée et on est à l'internat. Et du coup vous êtes beaucoup à nous demander: ouais, comment c'est l'internat? Est-ce que c'est bien? Comment vous faites pour les vidéos, les lives, tout ça? Du coup on s'est dit les gars, bientôt la fin de l'année, bientôt la fin des cours, on s'est dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo 24 heures avec nous à l'internat. Comme ça vous pourrez vous mettre dans notre peau pendant 24 heures, voir comment c'est nos journées, comment ça se passe à l'internat, si c'est bien ou pas. Mais franchement vous allez voir les gars, il y a des trucs, c'est vraiment horrible. Déjà on va vous filmer un peu demain matin de réveil. On va voir que c'est pas un petit réveil, tu vois qu'on a normalement le réveil, mon frérot, il pique, pique, pique. À l'heure où des gens se couchent, nous on se réveille. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout voir, ça va être de la frappe malgré tout. Voilà, on va essayer de vous filmer un peu la journée, genre les pauses, le midi qu'on serait avec nos potes, le matin qu'on se réveille tout. Mais on peut pas trop filmer, on peut pas filmer en cours quand on est dans le lycée et tout. Eh les gars, déjà ça va pas très bien les cours, alors les gars, j'ai pas envie d'avoir de problème moi. Donc voilà, on va essayer de vous filmer un max, mais on va surtout vous filmer quand on est à l'internat. On espère en tout cas que vous allez kiffer. Comme d'hab, n'hésitez pas à un maximum de likes, abonnez-vous, activez la cloche. Les 300 000 abonnés, on les fait péter pour cet été, je compte sur vous. Et dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo, les petits vlogs chill, où vous mettez un peu dans notre vie pendant 24 heures. Et puis c'est directement parti, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo, let's go. Les frérots, qui dit internat, qui dit tu retournes pas chez toi. Là il est dimanche, du coup qu'est-ce qu'il faut faire? Faut préparer sa valise pour la semaine. Non, en vrai ça va les gars, on a de la chance parce qu'on revient le mercredi. Donc on a juste à prendre des vêtements pour le mardi, mercredi et vendredi. Comme ça, ça nous fait faire une pause, genre au milieu de la semaine on retourne chez nous. Franchement ça fait du bien les gars. En plus de ça on a de la chance parce qu'en ce moment les gars on peut remonter le jeudi. Du coup internat que lundi, mardi, c'est carré. Maintenant les gars, on go préparer nos vêtements. Là vous avez pu voir, on a sorti nos tenues. Là il y a les petites paires de chaussures. Là t'as tout ce qui est pyjama mon ref, serviette. Parce que oui, c'est pas parce que t'es à l'internat que tu te laves pas mon ref. Des petits draps, voilà, parce que vous connaissez. Là comme on était en vacances, et ben on a ramené nos draps, on les a lavés et là on va les ramener. Donc là c'est parti, ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir nos sacs. C'est horrible gros, je suis nostalgique. Parce qu'à chaque fois quand tu remplis tes sacs, c'est le dimanche, c'est la fin du week-end, c'est la reprise des cours et tout. Ah, j'aime pas faire ça les gars, c'est horrible. Aussi les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous vous êtes en internat et qu'est-ce que vous en pensez, si c'est bien ou pas. En vrai quand t'as plein de potes c'est grave bien, mais quand on a pas bah c'est nul. Et nous ça va, on a de la chance parce que les gars vous savez, si on a un internat c'est juste parce qu'on habite trop loin de notre lycée et qu'il n'y a pas de bus. Et du coup bah comme tous nos potes sont dans le même cas, bah on est ensemble quoi. Ensuite les gars c'est parti, du coup on prend notre deuxième paire parce que les gars pendant la même semaine on va pas mettre tout le temps la même paire, tu vois. Faut alterner, tu vois, faut être classe. C'est vrai que ça c'est trop chaud les gars, savoir ce que tu dois mettre le mercredi, le mardi, le lundi. Et ça y est frérot. Tu dois tout planifier mon gars, c'est devenu un planning d'avocat mon pote. Enfin, les gars, moi je me rappelle une fois gros. Les deux dernières fois qu'on a fait notre sac, Elliot il avait oublié une fois sa serviette. Donc en mode on devait se prêter la serviette pour la douche, c'était impossible. Et une fois il avait oublié son pyjama, du coup il avait dû dormir en slip et tout frère. Bon bah là c'est carré les refs, nos deux sacs de l'internat sont prêts, on est carré. Là les gars il est actuellement 21h30, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une autre soirée, on va aller se laver, on va tout faire. Puis après on ira se coucher, faut pas se coucher trop tard parce que demain réveil à 5h30, il va picoter mon pote. Bref, bonne nuit à tous, même si pour vous c'est dans une seconde. Et puis c'est parti. On vient de se lever les gars, il est actuellement 5h30. Regardez les gars, je suis complètement mort. Ça fait trop mal de réveiller à 5h30 frérot. Les gars, dans la vidéo Ramadan on l'avait fait, mais après on était allé se recoucher. Là gros il n'y a pas de recouchage, je dirais que c'est le début de la journée. Bon c'est pas grave les gars, faut rester éveillé. Maintenant c'est parti, on perd pas de temps, au déjeuner. Et puis go prendre le bus après direction lycée. C'est bon les refs, on est tout préparé. Maintenant go prendre le bus, il est actuellement 6h10. Et puis c'est carré les gars. Les frérots, on vient de finir notre petite journée de cours. Comme vous pouvez le voir, on est avec Evan. Là il est 16h, on a fini plus tôt. Et oui, c'est casse-couille les gars, même quand on finit plus tôt on doit rester au lycée pour attendre les gars l'internat. Là c'est parti, on va au Carrefour pour faire les provisions pour tenir la semaine d'internat. Se fait bien au niveau des boissons et manger. Ouais, parce que les gars, la cantine franchement je mens pas, c'est pas trop ouf quoi, donc on va prendre quelques petits bonbons, petites boissons, ça met bien quoi. Et puis on se retrouve à 17h30 quand l'internat ouvre dans notre chambre les gars. Bon, il est actuellement 17h30. Comme vous pouvez voir, on est dans notre chambre d'internat. On va vous la présenter, les gars. Là, les frérots, comme vous pouvez voir, les lits sont vides. Il n'y a rien, les gars. Parce qu'on a enlevé les draps comme on est parti en vacances. Là, on va devoir tout remettre. En tout cas, c'est parti pour une petite présentation. Première partie, les gars, t'as le lit. Avec une petite lampe là, tranquille, efficace. Le petit chargeur que tu connais. Hop. Ici, t'as une petite armoire. Voilà, regardez ce que je mets à l'intérieur, moi, les gars. J'ai un verre. Là, il y a quelques cours. Là, tu connais, peigne et tout pour se coiffer. En bas, des chaussures de sport, claquettes, tout ça. T'as compris, tu vois, claquettes pour la douche, chaussures de sport, si tu veux faire un petit
du coup, t'es nickel ou pas? Ensuite, les gars, la petite fenêtre. Bah oui, les gars, on est pas dans une cellule de prison, frérot, faut avoir une fenêtre. Petit bureau pour travailler. Franchement, il est même mieux que chez moi, la vie. T'arrives, t'as ta petite chaise. Franchement, c'est carré, les gars. Ensuite, t'as carrément une petite lampe là si tu veux t'éclairer. La petite radiateur, je vous avoue, il sert un peu à rien. Mais... ouais, il a jamais marché, frère. J'ai l'impression, les gars, il fait chaud quand c'est l'été. Et quand c'est l'hiver, il fait froid, le radiateur, gros. En tout cas, là, petite miroir, ça, j'aime bien, tu vois. Lavabo, il est grand, il est studieux, il est magnifique. Regarde-moi ça, t'as de la place au chaud, au froid. Oh, il est magnifique, les gars, son lavabo. Vous allez voir le mien, les gars, c'est pas du tout pareil. Hein. Lui, il est studio et tout, frèrement, il est horrible. Ensuite, les gars, la petite trousse de toilette. Ensuite, petit truc à tenir la trousse de toilette. Tu vois, je déplie mon parfum, tout ça, le matin. Oh, c'est gars, il fait 5 mètres carrés, son petit espace. Voilà, petit placard, petit truc pour se laver les dents, etc. Et là, il y a le petit lit. Pour tous ceux qui se demandent, ouais, mais elles sont où les douches et tout. Ça, les gars, en fait, on a simplement des douches communes. En gros, tu prends ta serviette et tu vas les douches. C'est comme au foot, quoi. Pour ceux qui font du foot, du rugby. De toute façon, on vous les montrera après pour ceux qui veulent. Et là, c'est parti pour voir la partie du lit. Là, déjà, vous pouvez voir, petit truc de séparation, la petite poubelle. La petite porte d'entrée, elle est juste ici, les gars. Voilà, les petites installations du bled pour pas qu'il y ait de lumière. Et aussi les gars, pour tous ceux qui savent pas, avec Elliot on est dans la même chambre d'internat. L'année dernière c'était pareil. Et l'année dernière Elliot il était en haut, les gars, il avait son lit en haut. Et du coup cette année c'est moi, les gars, qui ai mon lit en haut. Franchement les gars, le lit en haut c'est le pire bail. C'est là, gros, tu dois monter à une échelle les matins pour descendre, pour monter. Ensuite quand t'as tes draps tu dois les mettre en haut en escaladant. C'est impossible, gros. Surtout les gars, je me rappelais. Oh, ouais, il fait 8 mètres de haut, l'échelle, mon pote. Bon, pour accéder au lit tu dois monter à la tour Eiffel. Ensuite sinon les gars, regardez comme Elliot, j'ai une petite armoire, elle est carrée. T'as à peu près pareil que moi là. Au courant, tu mets ta serviette, ton pyjama, tout ça, tes claquettes. Voilà, les gars, là ça sent bon. Il y a la petite odeur des shampoings, sopalin, grenadine au fond. T'as tout, mon frérot. Et ensuite, les gars, là j'ai mon petit bureau avec mon petit sac d'internat qui est carré. Et maintenant, regardez mon évier à moi, les gars. Il est horrible, l'évier, mon pote. Il est là, il est tout rond, gros. Il est pas spacieux. Déjà, on en parle de ton miroir, frérot. Il est aussi crade que, frérot, on voit à moitié à travers. Les gars, il est tout flou, mon pote. Et là, les gars, on a ce qu'on a acheté au Carrefour. La petite bouteille d'ice. Plus on a acheté des petits Powerade. Franchement, c'est mis bien. Là, ça va bien nous tenir. Elle va nous faire du bien, la petite bouteille d'ice. Voilà, c'est parti. Là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va installer tous nos draps pendant 10 minutes. Et dès que ça sera fait, on ira faire un petit foot avec Evan et quelques collègues de l'internat pour faire passer le temps. Franchement, il n'y a rien de mieux. Allez, ref, là, on s'est mis en t-shirt. Franchement, ça fait du bien. Ça sent l'été, ça sent les grandes vacances. Fin des cours, fin de cet internat. La tranquillité, il y a les vacances. Bref, c'est parti. Là, faut pas perdre de temps parce qu'on a tous les draps installés, mon pote. Ça met trop de temps. En vrai, les gars, le seul avantage de l'internat, t'as vu, ça te rend un peu plus, comment on appelle ça, en mode débrouillard, là, comment on appelle ça? Ouais, indépendant, okay. Compris. Genre, t'as vu, tu dois tout faire tout seul et tout, tu vois, tu te débrouilles un peu plus tout seul, tu vois, et du coup, bah, on va dire, c'est le, entre guillemets, avantage. Mais là, j'ai trop le seum. Moi, je trouve pas ma housse de coussin, je crois que je l'ai oublié. Oh, mais j'ai trop le seum, gros. C'est ce qu'on vous a dit, les gars, quand t'oublies un truc, t'es mort pendant la semaine. Par contre, les gars, je me plains, mais regardez, les gars, comment il galère. On doit escalader, frérot, l'Everest pour la mettre. Oh, mais c'est impossible, gros, t'es là, tu dois l'étirer. Frérot, t'es en train d'escalader une girafe ou... t'es en train de mettre ton coussin là. Et moi aussi les gars, je viens de terminer coussin. Oh gros, ça fait une grosse sorte de sport là. Enfin j'ai tout mis. Là je suis tranquille mon pote. On est carré là, on est tranquille les gars. Regarde un peu ce que c'est les gars, le lit d'Eliot. Là il est carré, il y a la couette, là il a mis le drap. Là l'oreiller il est parfait. Bon moi c'est un peu plus le bordel mais tu connais. Là il y a ma petite couette. Et du coup là il y a l'oreiller sans housse. Mais bon, on va faire avec hein. Les gars, Eliot il a sorti les petites chaussures de sport. Bon je vous mens pas les gars, on les a achetées maximum 20€. C'est des fausses au Vietnam. Tranquille les gars, pour faire du foot, elles font l'affaire. Moi les gars, j'ai sorti petite Asics. Là, on est carré, mon pote, pour aller faire un méga foot. Parce que là, il est actuellement 18h et on mange à 18h30, les gars. Vous avez vu comment on mange tôt, frère? Ouais, à 20h30, t'es là, t'as trop la dalle, mon pote. Là, 18h06, on est parti pour faire un énorme foot. Let's go. Attends. On a terminé de manger, comme vous avez pu voir c'était horrible, il n'y avait rien à manger les frérots. Franchement les gars, c'était horrible, gros, j'ai encore trop faim. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas là il est 19h30. Ce qu'on a les gars, c'est qu'on a une heure d'études sur nos téléphones. C'est-à-dire là pendant une heure, t'es dans ta chambre, tu dois faire tes devoirs, etc. Pendant une heure et t'as pas ton téléphone. Mais c'est pas grave, au moins les gars, on pourra avancer nos devoirs. Et puis on se retrouve vers les 20h45 dès qu'on a récupéré notre téléphone. Et puis à tout de suite les gars. Il est actuellement 21h les gars. On a récupéré nos tels, on a terminé l'étude. On a pu bien réviser notre éco droit. Parce que les gars, demain
demain le contrôle, il va faire mal. Contrôle de 2 heures de 8 à 10. Ah, je le sens mal, je le sens mal. Mais bon, on a bien révisé, donc normalement ça devrait le faire au calme, mon pote. Donc là, il nous reste un peu de temps avant d'aller se doucher vers les 21h30. Donc ce qu'on va faire, on va vous montrer un peu comment on s'occupe à l'internat, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est parti. Bon, les gars, on va vous montrer maintenant comment on s'occupe à l'internat. Les petits 1v1 Clash Royale, c'est le rituel quoi. Casser le cul en 1v1 et des vannes. Les gars, on vous affiche l'écran d'Eliott juste là. On rappelle les gars, Evan hein, qui a déjà 2-0 sur Clash Royale, frère. Bon, les gars, tous les jeux Clash Royale, Clash of Clans et tous les jeux qu'on jouait à l'époque, frère, on les a tous repris à l'internat vu qu'il n'y a rien à faire, les gars, avec les jeux mobiles. Ok, les gars, je suis en train de me concentrer. Bon, sinon, les gars, comme vous pouvez voir, hein, en vrai, il n'y a pas 10 000 trucs à faire à l'internat, les gars. C'est des 1v1 Clash Royale. On joue aux jeux sur le téléphone, on aura TikTok. Voilà, on sera un peu chiant, on va pas se le cacher. Hein. Les gars, surtout, ce qui est bien, c'est parfois quand tu vois, quand il y a des matchs, etc. Mais là, comme on est un lundi, y a pas de match de Champions League, ni d'Europa League, donc y'a rien à faire. Le mec. Non, les gars, putain, je suis en train de tryhard. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? Il reste 19 secondes. Ah, mais c'est bon. Il se fait déchirer. Il se fait déchirer. Ah, les gars, il a tourné la tête à 180 degrés, on le voyait plus. Il a dû avoir le cou cassé, le pauvre. Oh, arrête, il s'est pris 3-0. Arrête, il s'est pris 3-0. T'es la honte du pays, gros. T'es la honte du pays. 3-0, les gars. Bref, les gars, on continue de jouer tranquille, de passer le temps. Et puis après, les gars, on ira prendre notre douche. Et puis c'est carré quoi. Aussi, en attendant, pour s'occuper, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti nos affaires pour demain. Regardez, petit t-shirt Levi's, veste Lacoste, surveste Lacoste. Sur demain, tu ressembles Lacoste. Aujourd'hui, c'était Jane d'Abu Class. Demain, c'est chill. Et puis, c'est parti directement pour la douche. Pyjama de sortie, les serviettes, manque plus que les shampoings. En tout cas, on n'a pas vraiment une routine internat. Genre, on fait tout le temps le même truc et tout. C'est à chaque fois différent. On s'occupe comme on peut, etc. D'ailleurs, les gars, vu qu'on a beaucoup de temps, on chill sur notre téléphone. On répond beaucoup, les gars, nos DM Insta. Venez nous suivre sur Instagram, ça fait juste ici. On répond à tous vos messages. Et pareil pour les commentaires des vidéos. On répond à tous les coms. Voilà, ça nous fait passer le temps. C'est carré. Et vraiment, les gars, ce qui est carré, c'est quand il y a des matchs de Champions League ou des matchs de foot intéressants. Ça te fait passer ta soirée. Ça commence à 21h, ça finit à 23h. C'est trop bien. Frérot, comme vous pouvez le voir, on vient de sortir de la douche. Les gars, là, on est tout propre. Là, on est nickel. On s'est mis en petit pyjama, comme vous pouvez le voir. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se brosser les dents et tout. Comme ça, on n'aura plus qu'à aller se coucher. Et on sera carré. Et voilà les gars, c'est comme ça que se finit ce 24h de notre vie interne. On espère en tout cas que vous l'avez kiffé. C'était la première fois qu'on faisait ce format de vidéo. On vous vloguait, on vous emmenait avec nous à l'internat et tout. Ça faisait grave bizarre. On n'était pas trop à l'aise des fois parce qu'il y avait du monde et tout. En tout cas les gars, on espère que vous avez kiffé la vidéo et que ça aura répondu à plusieurs questions. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est que l'internat, comment c'est tout ça. On essaie de vous filmer, de vous partager. Aussi les gars, il faut savoir qu'on n'a pas pu tout vous filmer. Il y avait des limites, il y avait d'autres lycées, on pouvait pas les filmer, t'as compris. Bref, on essaie de faire notre mieux pour vous régaler. Si vous avez kiffé la vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à exploser cette barre des likes, abonnez-vous, activez la cloche, ça nous soutient énormément. Dites-nous en commentaire si vous êtes à l'internat ou non, et tous ceux qui sont à l'internat, comment ça se passe, si c'est bien ou non. En tout cas, là, il est actuellement 22h30, on va regarder des vidéos jusqu'à 23h à peu près, puis on ira se coucher. Demain matin, réveil à 6h45 exactement. Voilà, les gars, on va juste chill sur notre téléphone, dans notre lit, à 23h, on ira se coucher, et puis demain, le petit réveil fera plaisir. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous, les gars, on va aller bientôt se coucher parce qu'on est mort. Cette journée était beaucoup trop longue. Vous êtes les boss. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et prochain live, c'était Eliott et Lilian. Allez, ciao. Peace.